La question est simple. Est-ce qu'on choisit la vie ou le profit? Est-ce que c'est conciliable? À mon sens, l'électrification des transports est nécessaire, et c'est la voie du futur, mais avec des conditions très importantes. L'enjeu ici et la confrontation est un questionnement sur l'éthique du gouvernement. Existe-t-il un code d'éthique qui fait qu'on doit prioriser l'écologie avant l'économie? C'est beaucoup demandé, bien sûr, parce que dans ce que dit le ministre dans son discours sur le projet d'électrification des transports en lien avec les métaux rares comme le lithium, je n'ai vu nulle part mention de la protection de l'environnement, de l'acceptabilité sociale, bien qu'il demande une consultation générale. J'espère qu'il va faire appel à ceux qui savent, c'est-à-dire à des scientifiques qui vont nous donner une lecture de la situation qui est claire et précise, qui est quantifiée, et qu'on va en tenir compte. Il ne faut pas oublier que écologie et économie ont la même racine grecque, eikos, qui veut dire habitation, territoire, maison, habitat. Lorsque l'on doit exploiter des ressources naturelles, on ne peut pas ne pas tenir compte des suites des travaux qui vont être faits et de l'impact que cela pourra avoir et sur l'environnement et sur les communautés qui sont en cause. Est-ce que le pouvoir est aux mains du gouvernement ou aux mains de l'industrie? Bien sûr, il faut favoriser une économie qui soit rentable pour l'épanouissement du Québec. Mais si on oublie l'humain, il faut réhumaniser l'industrie. Il faut revoir ça avec son cœur, non seulement avec sa raison. Ça prend les deux. Ça prend un équilibre entre l'écologie et l'économie, et on a trop souvent d'exemples qui nous prouvent le contraire. Nous espérons que ce gouvernement va faire en sorte de respecter la priorité qui est la vie des citoyens, la vie E et la vie AVIS des citoyens qui sont concernés par ces chambardements environnementaux sur leur territoire. Qui a le pouvoir de faire ces choses en respectant la nature, en respectant la culture environnante? Alors, voilà ce qui me dit. Moi, la question que je me pose, c'est une question d'éthique. Est-ce qu'il y a un système de valeurs qui préside à toutes les actions du gouvernement? Lequel a préséance? Voilà ma question. Merci.